Le secrétaire général de la présidence de la République, Mme Laure Olgagondjou, qu'entourait les ministres de la Communication Blaise Loumbé, le ministre délégué à la Culture Ernest Onéon Walker et Raphaël Ngazouzé du Budget, ont visité au Musée national de Libreville des meubles inspirés des masques du Gabon. Cette exposition est l'œuvre des 6 compatriotes, parmi lesquels Maître Minko Minze, qui s'explique sur la dite exposition. Alors, nous sommes retrouvés à 6 pour créer ce que vous trouvez autour de vous et qui est la projection de nos masques reliquaires gabonais. Donc, ce sont des meubles récemment créés pour la circonstance et qui demandent à être diffusés. L'exposition sur le design gabonais vient confirmer la transformation du bois sur le plan local, comme nous le précise le ministre en charge de la culture. On ne l'exporte plus comme ça se faisait avant, on le transforme. Voilà une idée pratique de transformation qui met en même temps les partenaires créateurs et les industries gabonaises qui se trouvent dans notre pays et qui peuvent, à mon avis, avoir un mariage intéressant pour promouvoir ce mode d'expression. Cette exposition faite de produits locaux vient confirmer la politique du chef de l'État sur le Gabon vert, qui consiste à transformer le bois sur le plan national. Cette exposition, aussi éblouissante, n'a pas laissé indifférentes les présents visiteurs. Bien au contraire, ils ont été émerveillés par son éclat et son design tiré de la forêt gabonaise.